Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On S'en Parle. Un chapitre de l'histoire politique de McAmique a pris fin au début d'octobre 2013. 38 ans de vie politique municipale, dont 34 à titre de maire de la ville de McAmique. Une page s'est tournée. Alors, Mesdames et Messieurs, l'ex-maire de la ville de McAmique Monsieur Daniel Rancourt. Monsieur Rancourt, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lacasse. Monsieur Rancourt, félicitations à vous pour vos 38 ans de dévoué service, il faut dire, de dévoué service au monde municipal et en particulier dans, euh, chez nous, à Macamie. Euh, c'est beaucoup c'est 34 ans euh, à titre de maire. C'est 38 ans que vous avez siégé sur le conseil municipal de Macamique. Alors, je vous en félicite. Monsieur euh, Lacasse, moi là-dessus, j'ai un petit commentaire qui m'est propre. Allez-y. Euh, Cette Rancourt... vous appartient, monsieur <laughs> Rancourt. Non, mais ce que je veux ramener ici, oui. c'est le fait que euh, pendant que moi j'étais mère, tu as d'autres gars tu as d'autres femmes à Macamique qui sont occupés du hockey mineur qui sont occupés de la bibliothèque, ah oui, qui sont occupés du Club Lyon, mmh. qui sont occupés de multitudes de services qui sont donnés à notre population. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais à la municipalité, donc je faisais ma part comme toutes les autres. Donc je n'ai pas plus de mérite qu'un autre, dans le fond, d'avoir fait ça, parce que pendant que je faisais ça, il y en a d'autres qui s'occupaient de mes enfants au hockey, il y en a d'autres qui s'occupaient de mes filles lorsqu'elles allaient au patin artistique, il y en a d'autres qui s'occupaient de d'autres services à la population. Pendant que moi, je m'occupais de celui-là. Donc, on est, on est contributeur oui. à un service, à une communauté. Et c'est l'objectif que je disais, c'était ça. Puis, je ne suis pas tout seul à le faire. Il y a un paquet de monde à qui fait la même chose. Je Donc, je n'ai pas plus de mérite qu'un autre. Je suis d'accord avec vous. C'est votre, votre opinion, pardon. Et je la respecte, M. Rancourt. M. Rancourt, le 4 oui. octobre 2013, ser, oui. serait-il une dette à oublier pour Daniel Rancourt? Absolument pas. C'est la. F... Moi, j'appelle ça, c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Alors, ça veut dire, M. Rancourt, que. Est-ce qu'on peut dire fierté, mais aussi amertume? Pourquoi amertume? Non. Je vous pose la question. Non, pas amertume. Du tout? Non, absolument. Du tout? J'ai fait, j'ai donné plusieurs, comme je disais tantôt, j'ai oui. donné, j'ai passé beaucoup de temps pour, à, à la municipalité, et c'est correct. J'avais le goût de le faire, je l'ai fait. Mm -hmm. Maintenant, je pense que, à, comme on disait, à un moment donné, quelqu'un m'avait posé la question Oui, mais Daniel, tu sais, tu aurais pu continuer, tu aurais pu. Je dis, regarde, tu, tu fais ça pendant 34 ans comme maire, là, puis en plus, 16 ans comme préfet de territoire et autres. Oui, si, oui. Je dis, mm -hmm. À quelque part, un moment donné, là, tu dis, bon, on tourne la page, puis on va essayer de faire autre chose. Tu vas me poser la question, euh, tu vas faire quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on ne sait pas tout dans la vie ce que ça nous réserve. Sauf que je sais qu'il va y avoir quelque chose. Là, oui, parce on... que vous n'êtes pas le genre d'homme à vous asseoir dans votre gros fauteuil et regarder la télé, je pense pas. Non, non, du tout, du tout. Je n'ai pas le temps de regarder la télé. <laughs> vous n'avez pas le temps de regarder la télé. M. Rancourt, parce qu'il faut quand même, on ouais, fait oui. ça quand même assez vite, parce que j'ai beaucoup de questions. Euh, on va aller plus en profondeur un petit peu, ah, oui. si vous me permettez, Monsieur Bien Rancourt. Sûr. Moi, si je vous demandais, qu'est-ce qui vous a incité à vous retirer de la course à la mairie? le 4 octobre dernier. il faut dire faut vous aviez pour pour mettre les gens au courant, vous aviez déposé votre ouais. bulletin de ouais. participation mm -hmm. oui. dûment signé. Mm -hmm. Puis la journée de la fermeture des mises en candidature, vous avez été à la ville et vous avez été retiré votre fait. votre document en question. Oui. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui a motivé ça? ça? Ou qu'est-ce qui a motivé ça? Disons, si on recule dans le temps, là, si on recule il y a un an. Il y a un an, justement, on arrive bientôt à la période de Noël, j'avais déjà annoncé à mes enfants et à ma famille que mon, je ne renouvellerais pas mon mandat. Donc, pour moi, c'était écrit dans le ciel. Mais je n'ai pas parlé à personne sauf à mes proches. Ok. Toujours est-il que là, le, le, on a passé l'hiver, puis le printemps est arrivé, et... Euh, Ma décision était là. Je, dis, je me représente pas aux élections. C'était réglé. Et là, il est arrivé certaines circonstances que vous avez connues, euh, avec toute la problématique que nous avons connue avec la compagnie Tembex, le volume de bois. Et il y a aussi une des problématiques qu'on a eu aussi avec euh, la, bibliothèque, euh, la bibliothèque, ici, ou le projet de bibliothèque qu'on avait ici à Magamé. Donc là, on dit, ouais, mais là, qu'est-ce qu qu'on fait avec ça? On... Vous aviez ça à cœur. Hein? Bien, écoutez, c'est un, oui, un projet, la bibliothèque, c'est un projet qu'on travaille depuis cinq ans. Là. Oui, puis on, on parle de millions, là, aussi. Ça ne hein? se fait pas en criant ciseaux, Non, non là. absolument pas. Et d'autant plus qu'on a un beau coin qui est là, avec un solage qu'on pourrait réutiliser, puis que là, si on laisse tout tomber ça, bien, on prend un, un tracteur, puis on nivelle le terrain, puis c'est fini, l'histoire est terminée. Donc, euh, tout ça a fait qu'à un moment donné, je dis, ouais, mais ça n'a pas de sens qu'on laisse tomber une affaire comme ça à la dernière minute. C'est hey, que là qu'est qu revenu le doute. À savoir, est-ce que je devrais faire un autre mandat? Est-ce que ça serait-tu mieux? Ça serait-tu pas mieux? Autre? Et là, finalement, je dis Bon, OK, je vais le faire. Puis je venais parler à, quand même à plusieurs personnes. et dit Regarde, Daniel, tu as deux possibilités. Soit que tu refonces encore, ou puis là, je suis bien honnête, ou bien dans une élection, tu peux gagner comme tu peux perdre. Ah, oh, c'est sûr. Bon. sûr. On que en a vu beaucoup. Et voilà. Donc là, je dis Qu'est-ce que je fais? Et lorsque j'ai su que mon adversaire ou celui qui se présentait comme moi contre moi avait un intérêt pour la bibliothèque au même titre que le mien, bien j'ai je, je vais lui laisser le même chemin libre. Et si jamais, puis là, on est tout le temps d'aider ici, on, on est certain que si la bibliothèque on a une subvention de 700 000 là, OK? okay mmh. Pour faire le projet de bibliothèque. Si le projet... Parce que là, on, est allé, on a décidé finalement d'aller en appel d'offres par un vote que le maire a décidé, là. Je me souviens la dernière fois. OK. <laughs> Donc, euh, on sait qu'on est allé pour aller en appel d'offres. OK. Donc là, les appels d'offres vont être lancés, là, à très bientôt. Là. On a su, puis il y a une, quand même une nouvelle intéressante, c'est que ces appels d'offres-là, actuellement, ils sortent euh, euh, plus bas que normalement. OK. Est-ce que les appels d'offres de la bibliothèque vont sortir au de même titre que ceux que les autres sont sortis dans les environs d'autour d'ici. Si oui, bien, le projet de bibliothèque va se faire. Okay. Mais si le projet de bibliothèque sort, par exemple, à 1 800 000, puis de, faisons des chiffres... C'est là qu'on qu on va défaire le, 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 là, on va le, défaire salaire, le salaire déjà sert. existant. Ça. Et à ce moment-là, si j'étais maire, les, les taux sortiraient à ces prix-là, c'est moi qui mettrais fin au projet de bibliothèque. Donc, j'ai dit, à ce prix-là... J'aime mieux laisser le choix à okay. La source, c'est ça. Point. Donc, okay. pour moi, c'était clair, net et précis. Et je n'ai pas de rancœur. Et je n'ai pas de regret non plus jusqu'à maintenant. Monsieur Rancourt, on va faire une courte euh, rétrospective de cette carrière de 38 ans. Ça a débuté quand et qui était maire à ce moment-là euh, J'avais à ce moment-là 25 ans. Et c'était M. Jean-Anne de okay. qui était maire à ce moment-là. Et je me souviendrai toujours, ça faisait pas longtemps. J'ai été élevé à mm -hmm. Sauf que j'étais résident deux ans à l'extérieur. Puis après ça, à un moment donné, il y avait une élection municipale et M. Jean de il y avait M. Euh, euh, André Larose en le temps, il y avait M. Harry Bruno, euh, Michel. Michel Trudel, Trudel était là aussi. C'est ça. Vous avez... Et il était venu voir à la maison. Et il a dit Daniel, ça nous prendrait un jeune là qui... Comme conseiller, là. Comme conseiller, -là. OK, oui. parce que, OK, c'est ça. Fait que c'était M. Angler qui était maire à l'époque. Et là, j'ai fait mes, mes armes comme Vous avez conseiller fait armes municipal. comme conseiller, OK. Et à la fin des, des quatre années, bien, M. Okay. Euh, euh, le maire de Anglard. ce temps-là, il travaillait dans une quincaillerie, oui. puis euh, il se faisait régulièrement, je dirais pas harceler, mais questionner ou à côté sa municipalité. Autrement dit, les gens allaient à la quincaillerie très souvent pour ne pas acheter, pour les gens. Pour aider des problèmes. Et son employeur n'était pas content de cette situation-là. Puis lui, était très mal à l'aise. Donc, à la fin de son mandat, il a dit « Moi, je me retire. » Et on a fait le tour de tous les conseillers autour de la table, puis il n'y avait pas un conseiller qui voulait y aller, sauf moi qui a dit « Bon, ben garde. Il n'y a personne qui va y aller. Je vais y aller. » Je vais y aller pour quatre ans, puis après ça, là, je m'en irai chez nous. On verra. Ça a duré 34 ans. Est-ce que vous aviez eu de, de l'opposition à ce moment-là? Oui, moment dans ce oui? temps-là. Oui, oui. Oui. Contre qui? C'était contre était... M. Maurice Parent. Ah, OK, OK. Et les trois élections suivantes, c'était contre M. Parent que euh, j'étais euh, en élection. Le bon vieux M. Maurice. Voilà. <laughs> Et il a terminé sa carrière conseiller dans mon équipe. Voilà, exactement, que les choses changent. Ouais. <laughs> mais ce sont de bons, de bons et de beaux souvenirs, bien monsieur euh, Ranko, parce que c'est sûr, sûr qu'il y a des choses, quand on passe 36 ans ou 38 ans euh, en politique, ça n'a pas toujours été sur un beau nuage. Oh, non, hein? non, des non, fois, non, le non, nuage non. a crevé, il n'y a plus, puis il voilà. faut hein? penser <laughs> que des beaux projets, ça fonctionne bien quand ça réussit, ouais. mais le quotidien... Ce qu'on appelle le D en français. Là. Oui, en bon français, loi 101, ça. oui, exactement. OK. Le D, c'est lui qui use le temps. C'est lui okay. qui, qui met notre patience à l'épreuve. Exactement. Okay. Euh, vous avez eu à affronter plusieurs aspirants au cours de ces, euh, de ces 34 euh, années comme maire. Moi, si je vous demandais, les aspirants qui ont été les plus coriaces contre vous, c'était qui? Ouais, monsieur Parent était un adversaire euh, important. Oui. C'est quelqu'un qui avait une très belle réputation, qui avait des connaissances, qui, qui, qui avait une vie sociale importante à Montréal. Oui. Puis c'est un monsieur qui travaillait un homme bien. On a bien vu, etc. Ouais, oui. Ça. Oui. Euh, par après. Je, je ne peux pas dire. On a eu un, une période là où les élections se sont faites beaucoup plus par réclamation qu'autre oui, chose. Oui, oui. Puis, euh, dans les dernières années, il y a eu M. Doré qui s'est présenté, qui avait fait quand même une très belle figure. Mm -hmm. M. Morin avait fait une très belle figure aussi. La dernière fois, ça va passer par réclamation. Donc, oui. il y a eu des élections, je dirais, à peu près la moitié du temps. Quand, moi, si je vous dire, comment voyez-vous cette longévité de, de 34 ans euh, Est-ce que c'est avantage de bien connaître les dossiers pour leur continuité ou inconvénient parce que ça fait trop longtemps? Bien, ça dépend comment vous pointez, quel point de vue vous vous placez. Euh, moi, je dis, euh, je me dis toujours là-dedans, pourquoi j'ai toffé quatre ans? Je pense, puis j'ai la prétention, j'espère que je ne me trompe pas, mm -hmm. euh, j'ai la prétention de dire que je faisais un travail correct. Que les citoyens de, de lorsqu'il lorsqu'ils avaient des questions à nous poser, ils venaient à l'hôtel de ville où ils nous et il y avait des réponses qui les satisfaisaient et que ça fonctionnait comme ça. Tout, tout simplement, c'est une question de confiance. Euh, je prends l'exemple, aujourd'hui, on est dans un monde de communication oui. et vous allez voir que notre beau monde de communication fait qu'on ne communique plus avec personne. Ok là, si vous, puis là je fais des jugements de valeur, je m'excuse là, mais ah, lorsqu'on lorsqu parle de, de Twitter puis euh, Facebook, écoutez là c'est, j'appelle ça presque une farce là. Euh, Quelqu'un va dire quelque chose, puis il y a 50, il y a 100 qui lisent ça, puis ça se répand. Il n'y a pas de vérification, il n'y a pas absolument aucune validation là-dedans. Là euh, n'importe qui peut dire n'importe quoi de, sur n'importe quel sujet, puis il peut se prétendre être le plus <coughs> grand expert qui existe sur Terre, alors qu'il n'y a aucune connaissance là-dessus. Puis la validation n'est pas là. Voilà. Donc c'est le. D'ailleurs, on, on va voir avec le temps là. Euh... Il va falloir qu'il se passe des choses. Puis si je reprends, dans les premières années, j'étais maire ici. Là, lorsque je voulais atteindre ma population, là, je voulais do donner un message à la population, j'allais faire une petite entrevue à CKLS, puis je savais que le lendemain, tout le monde était au courant. Alors qu'aujourd'hui, vous avez euh, Radio-Canada, vous avez euh, CKM9. Oui. Vous avez euh, une multitude de postes de radio. fait qu'il n'y a personne qui écoute la même une nouvelle voilà. en même temps. Donc, on n'est plus capable de rejoindre les gens. Ça. Donc, là, on se retrouve avec un autre moyen qui est Facebook puis Twitter. Et là, bien, euh, c'est la débandade. on dit n'importe quoi. Et on en a un exemple frappant que hier, parce que l'émission est enregistrée le 12 novembre, et hier, le 11 novembre, euh, un certain nouveau maire. D'une grosse ville qui s'appelle Montréal, est allé sur Twitter ou Facebook, aller écrire que euh, le club de hockey canadien devrait euh, payer un, un billet, aller simple, à David Dernay pour Hamilton. Et aujourd'hui, ce matin, de bonne heure, j'ai ouvert la TV et il n'était question que de, que de ça. ça. Et il ne l'a pas fait devant un micro, devant une salle remplie. À capacité, il l'a fait sur Facebook. Euh, voilà. C'est une salle à capacité maximale. On parle de capacité <laughs> qui peut aller jusqu'à 100 000 personnes ou je ne sais pas combien. Parce que moi, ce, ces affaires de Facebook et tout ça, les gens diront peut-être que je suis vieux jeu et ça ne me dérange pas du tout, sure. mais je ne suis pas là-dedans. <laughs> je ne suis pas là-dedans. J'aime valider des choses, moi, et non pas voilà. envoyer à gauche et à droite. Yeah. Monsieur Rancourt, euh, en politique, 38 ans et 34 ans à titre de maire, vous ne trouvez pas que c'est long. Est-ce que vous seriez d'accord aujourd'hui à faire comme, disons, aux États-Unis, deux termes de quatre ans, puis bonsoir la visite, moi je m'en vais chez nous? Écoutez, euh, vous pourriez vous priver de compétences de personnes extraordinaires, sous prétexte que faites ces deux termes, il faut la remplacer. Euh, certains disent que euh, ça devient, euh, quand ça fait trop longtemps, ça fait presque des dictatures. Peut-être. Mm -hmm. Sauf que mm -hmm. les gens ils ont toujours la possibilité de le remplacer. Là. Euh, pourquoi être obligé de se donner des règles pour remplacer quelqu'un alors qu'on a la possibilité de le faire quand on veut? Aux quatre ans, là, les gens s'étaient pas satisfaits ils m'auraient mis dehors, c'était réglé. Là. Mais on n'est pas obligé. On est dans un monde où on veut tout le temps tout normer. On veut tout le temps avoir le meilleur des deux mondes. Par contre, si vous avez la possibilité de choisir, vous choisissez. Pourquoi dire au système, je t'oblige à choisir? Ben non, regarde, si tu n'es pas satisfait de ton bon candidat, remplace-le, puis le problème va être réglé, puis ça va être ça, la démocratie. Moi, ça me tente de vous poser une question bien difficile, M. Rencourt, mais euh, je me risque à la poser. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, ça ne veut pas dire que les gens euh, sont soit satisfaits du maire en poste après quatre ans ou ils sont pas satisfaits mais ils sont dans l'indifférence totale est-ce que les gens sont indifférents à la politique municipale ah ben regardez si on aborde ça sur ce côté là eh bien le monde sont indifférents à n'importe quoi là. maintenant si comme citoyen j'ai le devoir et le droit de me prononcer sur le choix de mes dirigeants et que moi sous prétexte que je suis indifférent, je m'en je m pré Je m'en. On a de mesures. <laughs> un peu tous deux Bon, c'est ça voilà. Je l'utilise pas. Je voilà. C'est ça. <laughs> Donc si je ne l'utilise pas, euh, ben, je ne peux pas blâmer les autres de ne pas l'avoir utilisé. Okay. C'est mon premier droit que j'ai. Donc si j'ai le droit de faire quelque chose, puis je décide de ne pas le faire, il ne faudrait pas se demander au système de m'obliger à faire des choix que je ne veux pas faire. En tout cas, moi, c'est ma perception. Vous avez mené plusieurs dossiers durant ces 34 ans-là, parce qu'on parle surtout là, à titre de maire de mm -hmm. Macamie. Vous avez mené euh, plusieurs dossiers durant toutes ces années-là, dont, moi, si je vous demandais, les dossiers dont vous êtes le plus fier, les dossiers dont, vraiment, c'était pour vous là. Une belle réussite. Vous êtes fier de ça. Je veux dire, moi, là, quand j'étais maire de mecanique ma j'ai mené tel dossier à bon port, puis c'est une fierté pour moi. OK. Dans un premier temps, je dois vous dire qu'un maire, c'est pas la personne qui décide tout. Voilà. Ça, je savais qu'il était pour me répondre ça. Okay. C'est parfait aussi. OK. Le <laughs> maire, c'est le responsable oui. d'un groupe de voir que tout le monde fasse ses devoirs. Voilà. Puis qui est responsable d'avoir une ligne. Et lorsque eux prennent une décision, que cette ligne-là est respectée. Le premier rôle d'un maire, c'est ça. Vous allez me dire, y a-tu des projets, Daniel, que, dont tu es fier Oui. Le premier que j'ai fait à là, puis là, on était jeunes tous les deux, c'était l'avènement du HLM. Oui, okay? ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui. Le HLM. Et là, ça manquait beaucoup. C'est le premier dossier là, que moi j'ai pris comme maire de la ville de pis, Écoutez, là, pendant un an et demi, j'ai fait des téléphones à Québec. À la Société d'habitation du Québec, exactement. pour être capable d'avoir un projet chez nous. Je faisais presque de 47 aiguë, là, aux semaines, j'appelais mon responsable là-bas, ça a duré un an et demi. Maintenant, en même temps, temps qu'on avait, une, on voulait prendre le vieux collège, il faut penser que, dans le temps, le vieux collège était occupé par le club d'âge d'or. Et le club d'âge d'or utilisait le... Sous-sol. Sous mmh. hey, le reste n'était mmh. pas utilisé. Il y avait mis euh, une isolation de à on, peu près trois on pieds. On s'en servait pour faire des pratiques de pompiers voilà. en cours. <laughs> voilà. Donc, Mais là, en même temps que je travaillais pour amener un HNM ici, il fallait que je travaille avec le Club d'Arche d'Or pour les relocaliser. Oui, c'est sûr. On n'a pas du monde dehors. Voilà. Hey, je vous assure que j'ai eu des bonnes soirées de plaisir à discuter avec les représentants du Club d'Arche d'Or dans ce temps-là. Pour les amener à, à déménager à l'édifice qui a brûlé qui a il y a quelques oui, années. Ça. Là. Donc ça c'est un beau projet. Ça c'est un beau projet. C'était le vous. premier. Okay. Mais un que je considère encore supérieur, mais on en voit pas, on voit pas des, des effets directs parce qu'il reste pas de bâtisse. C'est dans les années où euh, on a eu euh, des conseillers qui étaient, euh, j'appelle ça, flyés par, frappés par le tonnerre. Là où on a décidé de mettre Macamic sur la map. On a lancé des campagnes de publicité à la, à la télévision par la radio. Et le slogan, tout le monde va en souvenir, c'était « Viens voir grandir Macamic. Voilà. Et ça, c'était pour moi, puis pour le conseil, parce que c'est une affaire de conseil. Là. Écoutez, quand vous êtes au conseil municipal, il y, un, il y a un conseiller qui dit « Hey, on pourrait faire ça. » On peut l'éteindre. Cette idée-là, où on peut dire, ben, on pourrait souffler dessus, on va voir ce ça va donner. Et dans le temps, tu te souviens sûrement, Gabi, de Marcel Maheu. Marcel Maheu, <laughs> c'était un Puis frappé. il ne se souvient pas de Marcel Maheu. <laughs> Donc, il avait été frappé <laughs> par le tonnerre quand ah, il était jeune. Ah, là. Oui. Hein, oui. Mais Marcel avait des idées. Oui, il n'était pas tout bonnes, mais il y en avait des maudites bonnes. Il fonctionnait. Voilà. Dit, il fonctionnait. Et ça, ouais. c'était un projet qui est... Moi, je dis qu a... qui nous a donné des ailes. Un projet de voir grandir... De, se, de, se, de développer notre fierté. Et puis là, là on a vu de la, des, des rues complètes oui. de, de, de se construire. Se et on, et on y ne y parlait accès, bon. que de ça. On ne parlait que de ça. Et moi, écoutez, là, on a fait ça pendant à peu près six ans. La première année qu'on a fait ça, il y avait juste McCamick qui faisait ça. ça et six vu. ans après, toutes <laughs> les municipalités se lançaient dans dans des manières de publiciser, de montrer leur beau côté et autres. Donc, c'était un des beaux projets aussi. Mais à l'inverse de ça, M. Rancourt, moi, si je vous demandais le dossier qui vous a fait le plus mal, qui... ou le plus le plus difficile que vous avez dû abandonner en cours de route parce que c'était euh... Inatteignable. Inat, 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 ina, inat, ina, in. Voyons, on est un petit peu avec nos mots ce matin. Okay. Parce que <laughs> toi, on a trop, trop d'émissions de fête, c'est pour ça. <laughs> ça. Alors, ce serait quel dossier, monsieur? Bien, un des dossiers, moi, qui m'a déçu beaucoup, c'est, exemple, le centre créatif. Au centre. Dans quel sens? Le centre créatif, à un moment donné, on avait un beau projet de retaper notre centre. Puis ça, ça ne fait pas 30 ans, là. Non, parce il y a que là, là, vous parler de, de même pas une décennie, non, même, même dans pas. dernière décennie, de, de, de où dernière on avait décennie, un ouais, projet je, de oui, faire très bien, oui. de rénover. On avait rénové notre date structurelle, okay. on avait rénové les gradins, on avait rénové les, les salles, sauf qu'on voulait donner un air de jeunesse à notre centre. Donc, tout refaire l'extérieur, la nouvelle couleur, remettre un plafond réfléchissant sur le dessus, euh, mettre un accès à ascenseur. Moi, j'avais tout le temps eu comme rêve de avoir de faire où on a l'escalier pour entrer dans le centre, oui. de faire de fermer ça puis mettre un ascenseur pour donner accès à l'étage d'en haut, enlever la grande escalier qui coupe oui. notre salle en haut oui, pour faire exactement. deux salles indépendantes qu'on peut ouvrir avec un grand rideau pour avoir une grande salle. Et ça c'est un projet qu'on a mis beaucoup d'énergie là-dessus puis ça pas coûté, ça pas couché. Ça ne mais il y en a des projets qu'on travaille puis qui ne donnent pas de résultats, puis on essaie de les oublier. Puis Le il y en a d'autres qui donnent des résultats. Mais après une carrière aussi grandiose que la vôtre, il fallait quand même en parler. Ah ben Alors, oui, ben faut écoutez, en parler. ça fait partie de Durant de ces 38 ans-là de vie politique municipale, M. Rancourt, vous avez dû, vous avez eu, pardon, à composer avec une vie familiale. Ah bien également. sûr. Hein? Bien vous sûr. êtes marié, vous avez des enfants. Qui passait en premier vie familiale ou vie politique elle vous en parlait à mon épouse, elle va dire que c'était la vie politique. C'est sûr. Mais <laughs> c'est quoi que Daniel Rancourt me répond, lui? J'ai toujours essayé de faire la part des choses, d'essayer de, d'avoir le meilleur des deux mondes. Écoutez, on est humain aussi. J'ai été père de famille, j'ai eu quatre enfants. C'était rare les fois que je n'étais pas à la maison le soir, mais des fois, je n'étais pas à la maison le soir de bonheur, par exemple. Euh, quand on a une réunion qui finit à 9h, 10h, quand ils arrivent, les enfants sont couchés. Ouais, C'est sûr. Et il faut dire, dans les dernières années, depuis peut-être 8, 9 ans, euh, depuis j'ai pris, par exemple, ma retraite au niveau de la commission scolaire, euh, là, je suis peut-être plus souvent à la maison, mais rarement à la maison de jour. OK. Parce que là, avec le travail comme préfet de la MRC, ça m'a permis de faire plus de travail dans le jour, donc le soir d'être plus sur la maison. Souvent Mais les enfants sont partis. Et voilà. L'appui de votre famille, c'est indispensable pour vous. Bien sûr, c'est essentiel. Oui, c'est pareil comme je prends l'exemple concret, n'importe quel organisme but non lucratif qui travaille dans le milieu, si les gens qui sont dans les alentours de la personne n'est pas d'accord avec ses avec les décisions, les orientations, les implications que ça demande, ça ne donne rien d'y aller. Je pense au chef des pompiers, je parle aux responsables des clubs Lyon, je parle des dames fermières, je parle du club d'âge d'or, je parle de la maison des gens les gens ne voient pas ça comme un, import, un élément important pour leur développement à eux, pour le développement de leur milieu, puis le développement de la famille aussi, Exactement. parce que la famille profite Exactement. aussi de cette situation. Au cours de toutes ces années-là, M. à 34 ans à la mairie, est-ce qu'il vous est arrivé, ne serait-ce qu'une fois, songer à démissionner? Euh, démissionner, non. Mais Ou ne pas à a a pas, oui. ah, pas me représenter bien on sûr. me représenter oui. Bien sûr, écoutez, c est, c est... on se remet en question continuellement, c'est à fait ça fait partie de la vie cela. Oui. De dire, dire j'en ai assez, j'ai plus de vie familiale trop trop, euh, j'aimerais ça en avoir, avoir plus. Avoir un peu plus de temps, oui, c'est sûr, ça fait partie. Écoutez, ce sont ça fait partie des choix que j'ai dû euh, composer avec. Monsieur Rancourt avez-vous déjà été approché par un parti politique, que ce soit sur la scène fédérale ou provinciale? Jamais. Vous n'avez jamais été approché. Ça m'intéressait pas. Mais sans camp... que ça vous intéresse ou pas, euh, c'était suis... clair et net. Je voulais pas aller à un niveau supérieur. Moi, là, je voulais travailler au niveau terrain. Dans mon milieu. Puis, je n'étais pas intéressé à aller travailler à l'extérieur. Il m'a donné souvent des gens qui disaient Ah, oh, Daniel, tu devrais t'en aller Allez, député. Aller député étais tu malade Être parti à Québec pendant quatre jours par semaine, être arrivé ici, courir au diable vert, et on suffit juste de regarder François Gendron dans la manière il <laughs> travaille. Écoutez, là, moi, j'avais aucun intérêt pour ce genre de travail-là. Moi, je suis, intéressé, je suis intéressé à vivre ici. À travailler pour les gens d'ici, euh, à aller faire de la musique pour les gens d'ici, à faire des travaux de rénovation pour les gens d'ici et non pas être parti au diable vert continuellement. Monsieur Rancourt, il reste à peine une minute. Euh, la politique, pour vous, c'est terminé? Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas ce que, que l'avenir. En début d'émission, on disait euh, moi, c'est la fin de quelque chose et c'est le début d'autre chose. Le début de quoi? Je ne le sais pas. Euh, ça va être dans euh, les commissions scolaires, ça va être en santé, ça va être euh, au niveau régional. Parce que vous n'êtes pas l'homme à rester assis chez vous. Non, absolument. Ça, c'est sûr et certain. Non, puis je pense j'ai développé des compétences. Oui, j'ai développé des. Moi, j'appelle ça des habiletés. Parce que tu sais, travailler avec un groupe d'individus, c'est pas nécessairement évident. Il faut travailler en collaboration essayer oui. d'avoir des consensus. Et c'est ça qui fait qu'on réussit ou qu qu'on réussit pas. Monsieur Rancour, permettez-moi au nom de tous les Macamicois de vous remercier très sincèrement pour votre implication en politique, pour tout ce que vous avez fait pour la ville de Macamique, tous les dossiers que vous avez menés à bon port avec toujours une bonne équipe derrière Exactement. vous, c'est très important. Alors au nom de tous les Macamicois, Macamicoises, merci d'avoir donné tant de temps à cette municipalité. On vous regrette déjà, sauf que je sais que vous ne serez pas loin, je suis persuadé. Je vous dis merci, je vous souhaite une bonne retraite, qu'elle soit courte ou longue, peu importe. Et tout ce que je vous souhaite aussi, c'est la paix, la sincérité du devoir accompli, vous l'avez. Puis, je vous remercie au nom de toutes ces personnes-là. Monsieur Lacaze, ça a été un privilège pour moi. C'était un privilège pour moi de vous recevoir à cette émission, M. Rancourt. Puis je vous remercie infiniment. Puis, longue vie à vous et la santé surtout. Merci beaucoup, M. Rancourt. Merci. Et surtout, merci de vous être présenté à cette émission-là et aux autres émissions également. Merci bien, M. Rancourt. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à la prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.